Hey, Chase, vous êtes occupé? Ça a un rapport avec le service que vous deviez rendre à Ellie? Oui! Ah, quelle histoire! J'étais volontaire pour aller chercher notre tout nouveau camion de police ultramoderne, en vue de son inauguration au commissariat, cet après-midi. Mais vous avez été détourné par des criminels, c'est ça? Waouh! Comment vous le savez? Attendez, à quel nombre je pense, là? Allez, un indice, c'est 6! Le camion, Franck. Ah oui! Eh ben, ils ont roulé avec un bon moment, mais là, on est à l'arrêt. Une idée de là où vous êtes? Pendant qu'on roulait, j'ai entendu très fort une corne de brume. On a dû passer le long des docks. Les docks, Et puis, je me souviens avoir senti comme un passage à niveau. Des rails, d'accord. Et à l'arrêt, j'ai regardé dehors et j'ai vu Krabby Cove. Vous? Oh, j'arrive tout de suite. Où ça? Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Lego City Undercovers. Et oui, ça y est, on s'y remet. Donc suite à notre dernier épisode où on était dans le dojo, on a appris les techniques de combat avancées. On va aller donc alors aider notre pauvre collègue Cherry qui nous a encore gratifié d'une de ses superbes prouesses techniques. En s'étant mis dans de beaux draps, hein, tout simplement. Alors, c'est pour la police. Prendre une voiture et aller suivre la petite ligne verte qui va nous amener à notre prochain objectif, donc aller chercher notre collègue qui est coincé dans le fourgon de police qui devait être présenté à l'inauguration. Elle va vite cette voiture. Alors j'espère que vous allez bien. Que ces vidéos vous plaît toujours autant. On va avancer un petit peu dans le sujet. Oula. Il est arrivé lui. Alors, par contre elle va vite mais quand on est en montagne, c'est un peu plus compliqué. Ah c'est juste un petit peu. Peut-être couper par là. Hein. C'est pas une belle conduite, Chase. Voilà. Ouais, c'était vraiment juste en dessous. Allez, on y va, on va aller s'occuper de notre collègue. Vous êtes là-dedans, Franck? Oui! C'est vous, Chase? Vous êtes venu me délivrer? Chut! Johnny! Va chercher le reste de la bande! Et dis à Monsieur Chan que nous avons de la visite! On va falloir se battre. Je crois que les voleurs sont encore dans le coin. Oui, on va voir. Soyez discrets! Seriez-vous en train de vous battre? Tout va bien dehors! Oh, allez, de l'air. Allez, quand il y en a plus, il y en a encore. La deuxième vague de copains qui débarque. Huh?
figure artistique. Et hop, voilà, c'est dans la boîte. Allons-y. Si vous roulez vite, on peut encore arriver à temps pour l'inauguration. Je vais déjà essayer de nous sortir d'ici vivant. Alors, faut qu'on ramène le camion et il faut qu'on essaie de pas l'abîmer. Pourvu qu'on arrive à temps, je ne veux pas décevoir Ellie. L'un des membres du gang a mentionné un certain Chan. Une idée de qui ça pourrait être, Frank ? Probablement Chan Chuang. Il n'est pas ici depuis longtemps, mais il paraît qu'il gère le plus grand atelier de démontage de la ville. J'espère qu'on y travaille bien. C'est une casse illégale, où les véhicules volés sont démantelés, Frank. Dans ce cas, je devrais peut-être annuler maintenant. On a des gars qui vont nous poursuivre. Voilà, je pense que ce Chan est lié à Rex Fury. On va arriver sur le pont. Ça risque d'être de... On n'a pas de boost en plus. On peut même pas tabaser. Youhou ! On se croirait sur des montagnes russes, mais sans tous ces ennuyeux dispositifs de sécurité. Un barrage. J'espère qu'ils vont pas inspecter l'arrière, parce qu'il y a plein de trucs qui sont tombés des placards. Comment ? S'il n'y avait pas ces méchants qui nous pourchassent, ça serait vraiment marrant. Youhou ! Allez, on a 6 heures au camion, on est bien. Allez, barrez-vous la circulation. Ça me rappelle la fois où j'ai mis mon camping-car en pilotage automatique pour aller faire une sieste à l'arrière. C'est débile. On dirait qu'ils ont cessé de nous suivre. Bien joué. Vous pourriez vous garer au prochain coin de rue ? On arrive dans notre point de contrôle. Ça vous dérange si je reprends le volant ? Je veux montrer à Ellie. Et un petit succès de débloquer confiance. Au passage. D'accord. Profitez bien des photos et des journalistes, Frank. Ah, le camion est réparé, quoi. Cette blague. Je ne peux pas attendre toute la journée, Marlon. J'ai un pont à rouvrir cet après-midi. Où est donc ce camion ? Comme si je recherchais la gloire et la fortune. Moi. Oh, mon public! Ah, le voici qui arrive, Madame le maire! Juste à temps! Et me voilà avec notre nouveau camion! Encore une mission réussie! Oui, il a remarqué un portefeuille, impeccable! C'est qui les joue? Chérie! Regardez-vous! Désolé, madame! Bonjour, Madame le maire! Salut, chef! Don B! Chérie! Donuts! Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mais à quoi vous attendiez-vous aussi en mettant Frank au volant ? C'est votre faute, Marlon. Oula. Chase, donnez-moi de bonnes nouvelles. Vous avez trouvé Rex Fury ? Eh bien... Ben, vous pouviez pas ! Le chef vous a bien dit de rester à l'écart de cette affaire, non ? Ah, vraiment ? Il est débile, mais... parfois, il sert bien. N'est-ce pas, Chase ? Non ? Oh, d'ailleurs, j'allais justement l'envoyer en mission sous couverture dans... Le gang de Chan Chuang ? Je crois qu'il a un lien avec Rex. Oui, voilà, c'est ça. C'était comme ça quand je suis arrivé, ça ! Trop gros boulet, quoi. Donc il va falloir qu'on aille dans le gang de Chan Chuang pour aller s'infiltrer. Un peu plus près de Rex Fury, histoire d'essayer d'élucider de quoi il s'agit et qu'est-ce que fait Rex Fury exactement. Et donc ça nous amène sur le début du chapitre Ellie, 5. Vous vous cachez ou quoi ? Tu parles. Je reste aussi loin que possible de Dunby. Moi, j'ai vu une araignée. Je ne vois pas du tout comment nous allons nous sortir de ce bourbier. Ben, c'est simple. Je suppose que mes parents paieront, comme d'habitude. Hein ? Ils sont extrêmement riches, vous savez.
C'est eux qui possèdent l'hôtel Oni à Paradise Sands. Ah, je comprends maintenant. Enfin, Chase part en mission sous couverture. Il va avoir besoin d'une nouvelle tenue. Eh bien, félicitations, Chase. Et une nouvelle tenue pour notre personnage. Stylé. Chase sous couverture. Ok, c'est cool. Super. Hey, sacrée transformation. Je vous ai à peine reconnu. Ouais. Qui c'est ce type bizarre au sous-sol? Bon, je vais réfléchir à comment m'introduire dans le gang de Chan. J'espère qu'ils ont rouvert le pont qui conduit à l'île principale. Bonne chance, Chase. Oh, c'était Chase. Oh, quel débile. Alors, on va faire une petite transition. Donc ça, c'est le fameux hôtel. Des parents de Frank Cherry. On va faire une petite transition. Il y a du coup, quand on a débloqué le mineur et le voleur, on va pouvoir faire deux trois petits trucs qu'il y a dans le commissariat. Trouvons un moyen de m'infiltrer dans votre gang, Monsieur Chan. Parce qu'il y a des bonus cachés. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires aussi si vous voulez que je fasse le mode libre à la fin du jeu quand on aura fini le mode histoire. Parce que la carte est assez grande et il y a pas mal de choses à débloquer. Après, je sais pas si on va tout faire, mais si ça vous intéresse ou pas. Sinon, après, dans la mesure où je me suis lancé dans les aventures Lego, j'avais dans l'idée de faire ensuite les Lego super-héros. Donc, tout ce qui est Marvel et DC Comics, ça va en faire un petit paquet. Alors, un petit bâton de dynamite pour aller faire péter quoi? On doit avoir... Encore deux arrestations en plus ce mois-ci, ah, et là. Je gagne un moule à gaufres. Là. Là, il y a un truc à faire péter. Donc, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalées des gens à la photocopieuse. Bim. Bon, bah d'accord. Et une boucle dorée. Ouais, casse-toi avec ton truc, hein. Ah, il y a un truc à construire. Hop, il y a 4 cadres à refaire dans le commissariat. On va essayer de les faire tous. Donc ça en fait déjà 2 sur 4. Ouais, ça nous donne une brique dorée. Cool. Il y a plein de trucs amusants comme ça quand on fait des missions en mode libre. Et là, c'est un petit aperçu du mode libre en fait. Hein. Plein de conneries comme ça. Je veux devenir capitaine avant la quarantaine. Excusez-moi, je vous mets un grand coup de pioche dans le nez. Parce que ça fait plaisir. Alors voyons voir. Ah bah tu verras pas grand chose. Bon, visiblement à cet étage là, il y avait rien du tout. Et c'est peut-être à l'étage de la salle de réunion qu'il y a encore des choses à faire. On va aller voir. Et oui, là, il y a le... Hop là, allez, tiens, on va voir. Ah, il y a une caisse à emporter. Avec un truc à construire. Il faut le construire. Punaise, c'est où? Ah, c'est là. Une table avec des donuts. Une brique dorée.
que j'aime bien avec la pioche, c'est qu'au moins ça ratisse large. On ne veut pas le casser le projet. Bon, donc la salle de réunion, on a fait le tour. Et au sous-sol. Ah, est-ce qu'on a des trucs au sous-sol? Ah tiens, il y a... Alors, ah bah une brique. Cool. Allez, un peu plus d'effort. C'est pire que les cours de sport à l'école. Hein. Ouais, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de trucs. Bon, les trucs de sport, hein, on va pas se les farcir parce que tu sais ce que ça apporte. Ça fait des mois que je fais ça, mais mes biceps sont toujours la même taille. À quoi ça sert ? Et j'avais l'impression qu'il y avait un... Alors là, la porte qui est fermée, il faut le pompier pour y accéder. Putain, c'est vrai que j'étais jamais allé dans cette pièce. Ouais, c'est la pièce, en fait c'est le hall de tous les costumes qu'on a débloqués. On peut les voir comme ça. Bon bah voilà, on a fait le tour hein, pour l'instant par rapport à ce qu'on peut faire avec notre personnage. Ce qui nous est permis de faire en tout cas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers notre première mission. Qui va donc être d'aller jusqu'au garage de Changchuang pour notre mission d'infiltration. Il y a peut-être encore un truc là. Voilà, il y a encore un cadre là. Et là, il y a une caisse encore. Et là, on aura fait les 4 cadres. Je vous disais bien. Et ça nous fait une brique dorée au milieu. Impeccable. On n'aura pas fait le voyage point comme ça. J'espère là, que le chef remarquera que j'ai changé de coiffure aujourd'hui. Que je sois Ginette. Pas venu pour rien le crâne rasé toute la semaine dernière. Encore oui, deux Ginette. Arrestations en plus ce mois-ci. Bon voilà, alors l'épisode fait une petite vingtaine de minutes. J'espère que l'épisode vous aura plu. On va les diriger vers la planque de Changchuang et puis on va commencer notre mission d'infiltration. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Trouvons un moyen de m'infiltrer dans votre à très bientôt camp, pour la suite de nos aventures sur LEGO City Undercovers. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.